Guillaume Lauvergnat, ADP, heureux, il une très grande nouvelle. Guillaume Lauvergnat fait partie des chanceux de l'amour et dans le pré. Contrairement à Alain ou encore Jean. L'éleveur de vaches allaitante de 34 ans a trouvé l'amour grâce à l'émission de dating. Depuis la fin des tournages de l'émission de M6, le candidat de Karine Le Marchand n'a jamais quitté son prétendant. Tom. Les deux hommes ont même franchi un cap important en s'installant ensemble. Tom a quitté son emploi pour travailler aux côtés de l'homme de sa vie. C'est d'ailleurs main dans la main que les amoureux sont arrivés au bilan de la saison 17 face à l'animatrice pour faire quelques confidences sur leur relation. Le but c'est d'être heureuse, après on verra bien ce qu'il va se passer. Il faut surtout qu'on pense à nous et qu'on continue d'avancer. A révélé Guillaume, qui rêve d'un mariage et de fonder une famille avec celui qui a changé sa vie malgré leur grande différence d'âge. Désormais Guillaume et Tom s'affichent ensemble sur les réseaux sociaux et savourent leur bonheur à deux. L'agriculteur est donc sur un petit nuage. Ce lundi 21 novembre, celui-ci a annoncé une très grande nouvelle dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Il pleut, il ne fait pas super beau, mais j'ai une bonne nouvelle, a-t-il lancé. Avant de révéler qu'il parlait d'un petit veau né sur son exploitation. Il s'agit d'un petit garçon comme il l'a expliqué sur le réseau social. Tout en dévoilant des images de l'adorable animal. Sa maman Gypsy veille. Il va se relever, a-t-il expliqué. Il est tout frais de cette nuit. Il n'est encore pas habile sur ses pattes car il vient de naître, ils vont se retrouver tous les deux. Je vais les laisser pour qu'ils puissent profiter de s'imprégner l'un de l'autre. Attendri par le spectacle du veau et sa mère, Guillaume en a profité pour dévoiler que le petit mâle se prénommait Tinquet. Un peu de douceur pour oublier la grisaille.